Et champagne sur le tarmac cet après-midi à Toulouse. Mission réussie pour le nouvel avion long courrier A350 d'Airbus. Premier vol sans encombre. Et à l'atterrissage, la satisfaction du mécanicien navigant qui était à bord de ce premier vol historique, Pascal Verneau. La semaine dernière, dans les essais sols, j'avais dit que le bébé était bien né. Là, il est plutôt très bien né. On a fait tous les essais qu'on avait programmés. On a même pu, au bout de 2 heures de vol, enclencher le pilote automatique et l'autotrust, ce qu'on n'avait pas prévu de faire. Donc là, il est vraiment bien né, le bébé. C'est un vol qui se prépare, quoi. On est très concentré, on sait ce qu'on a à faire. On a surtout, au cas où il y a une anomalie, on sait le plan backup et quoi faire. Voilà, ça se prépare bien. Bon, là, on n'est plus notre attachement. On avait le parachute, les casques et tout, quoi. Qu'est-ce que vous avez dit juste avant le décollage? Enfin, on y va. Parce que hier, on était déjà tous prêts, nous, on attendait, quoi. On voulait y aller, là, c'est bon, là. Là, après quelques années, oui, c'est bon. Et on le fait à l'heure, enfin, comme on avait dit avant le Bourget et tout.